Les troglodytes ont précédé le village d'Arguedas. Ses anciens habitats, aujourd'hui désertés, occupent le versant de la falaise qui domine le village. L'évolution des modes de vie conjugués à l'érosion de la falaise ont conduit à l'abandon des lieux, jusqu'à l'oubli, jusqu'à la prise de conscience de l'intérêt patrimonial de ces vestiges. Aujourd'hui, les maisons troglodytes sont le point d'intérêt du petit village d'Arguedas. En entrant dans les cavernes désormais ouvertes à tous les vents, une impression de bien-être physique se manifeste. Alors que la température extérieure avoisine les 30 degrés, 30-35 degrés, le ressenti ne dépasse guère les 22. En effet, l'épaisseur de la paroi d'argile et de gypse joue un rôle permanent de régulateur thermique. En plus, un conduit d'évacuation ventilait les locaux. La cuisine est le centre de vie de la maison troglodyte. Elle sert d'entrée, de salle à manger, de séjour. Une cheminée traverse la paroi, laissant apparaître un conduit extérieur. Dans la cuisine, une cuisinière au feu de bois en fonte émaillée atteste d'une occupation récente, vraisemblablement jusqu'au milieu du XXe siècle. Les pièces les plus profondes correspondent au stockage des vivres, tandis que les pièces intermédiaires sont les chambres. Contrairement aux cuevas andalouses, qui datent souvent du Moyen-Âge, les cuevas proches de Bardanas n'ont guère plus d'un siècle et demi pour les plus anciennes. En Navarre et en Aragon, elles furent habitées jusque dans les années 1960. Les Bardenas réales, plus simplement nommées Bardenas, se situent dans le nord de l'Espagne, en Navarre, entre le Pays Basque et l'Aragon. Il s'agit d'un espace naturel vaste de 42 000 hectares, dans lequel il n'existe aucun habitat permanent. Ce territoire est par conséquent totalement désertique. Lorsque l'on découvre le désert des Bardenas pour la première fois, on a bien souvent le sentiment d'être pris d'hallucinations. Ravins, badlands, falaises vertigineuses, cheminées de fées, collines tabulaires, ici l'érosion des sols est poussée à l'extrême. Nulle terre en Europe n'est à ce point torturée, décharnée et rabotée. C'est ce qui fait la notoriété de ce territoire, le caractère insolite et exotique de ses reliefs. Les paysages n'en sont que plus spectaculaires.
Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. La flore et la faune, par exemple, sont souvent typiques des régions arides d'Afrique du Nord. Les plantes xérophiles et halophiles sont très répandues, principalement au cœur des Bardanas. Tandis que dans le ciel tournoient d'impressionnants vautours fauves, ainsi que d'inattendus pecnotaires d'Égypte.